ou gen kob nan niveau structure ki responsable sa yo pou ke yo pa oblige ap chèche ti grabdaï nan proje international la ap ede nou fè ou bien barye ap ede nou fè, men fò yo kapab gen mwayen nan men yo pou kapab bè orientasyon bay suivi parce que côté la privé a c'est augmenter production et permettre producteur yo gagner manger dans assiette yo dans sens ça donc moi remercier là son travail pour nous capable permettre non seulement nous gagner cadre qui pour encadrer mon yo mais tout faut cadre ça c'est pas yo pas chita soit d'amien ou bien à bureau côté yo ya mais faut capable gagner moyen pour capable encadrer mon yo et pour nous capable bon résultat qui peut intéresser. Welcome everyone, and thank you so much. It's an honor to be here in Haiti with all of you. I am a professor at Harvard University, where many of my colleagues study Haiti, including one who studies Haitian iron art, another who studies Haitian religion, and another, a colleague of mine from MIT, who I've worked with very closely, studies Haitian. Cap produit cacao et puis le fin nous imaginons un monsieur cap produit chocolat. Consommateur toujours imaginé que son femme blanche cap mange chocolat ou contre lui et puis les grandes expériences séduction. Mais c'est pas ça seulement, son bagage qui est beaucoup plus complexe, c'est plus compliqué parce que ça. Chocolat son au commerce en 2017 aux États-Unis, consommateurs ont dépensé 22 milliards de dollars américains dans et chaque monde mangeait 5,5 kg de chocolat. 5,5 kg de chocolat, c'est grosseur ou chaque qui grand monde. Pendant un tiré de ce qui a passé. En 2018, le marché qui est différent, ici, je le disais, c'est difficile pour connaître combien de chocolat consommateur ici a mangé. Mais nous imaginons 1,5 à 1 kg de chocolat en moyenne par monde. Et ça fait beaucoup plus que l'autre nation qui produit cacao. Pays qui produit plus cacao, c'est Colombie, Mexique. Nous sommes capables de dire que c'est pays qui est plus loin à cacao avec chocolat. Mais nous avons la tradition que nous-mêmes nous mangeons chocolat ici. Quand le monde qui mange chocolat ici, un chocolat pays avec l'autre produit qui fait dans le pays. Donc si nous regardons le commerce là, en général, commerce qui vaut à peu près 110 milliards de dollars américains chaque année, valeur industrielle, plus grand que PIB 130 nations. En même temps, 40 à 50 millions de monde dépendent de cacao dans le monde entier pour revenir au fait quoi. Il y a une inégalité qui gagne en chaîne. C'est entre production avec consommation. Donc 75% de cacao qui c'est matière première qui fait chocolat sorti en Afrique alors que l'Afrique c'est 4% seulement de produits finis que vous consommez. Mais l'Europe, les États-Unis, le Canada, c'est vous-même qui consommez près de 75% de chocolat et vous produisez 0% de cacao. Son tical cacao seulement que vous produisez à Hawaï et c'est le seul côté aux États-Unis qui produit cacao. Nous sommes capables de comprendre l'histoire qui j'en force ça. Vous venez de arriver sur ma chaîne, vous avez regardé et trafic esclavio. Principalement, c'est en Amérique à mesure que vin gagne plus de monde pour cacao. Donc, il y a des besoins de main-d'œuvre. Donc, il y a importé quelques millions d'Africains pour venir travailler. Pour faire culture, donc, café, chocolat, tabac, cacao.
épité et toute culture ça vient tourner et fait partie du développement capitaliste global. En cet moment, il s'est sélectionné les plus gros producteurs de cacao et le que la révolution a commencé en Haïti, c'est Napoléon qui a déraillé, il joue le café, il joue le cacao à sucre et puis il dit cacao sont culture qui est indigène dans les Amériques. Et je tiens, dans le sud équateur, c'est là qu'on produit plus. Donc, chaîne d'approvisionnement, ça c'est un gros défi que Haïti confronté pour développer le secteur cacao avec le secteur café, la cause de l'histoire, capitalisme, esclavage. Puis, il faut une nation qui produit cacao, concentré sur le cacao seulement et il n'y a pas manger trop chocolat. Mais si nous regardons côté où fait bonbon dans le monde entier, son chaîne d'approvisionnement qui est très concentré côté pouvoir avec richesse dans la main de trois grands monde. Donc, si nous regardons la pyramide tête en bas, on est capable d'une idée qui j'en bagaille fait. Côté producteur cacao, juste en bas dans la pyramide, là, c'est aucun moins score baby consommateur avec monde qui fabrique chocolat. C'est eux-mêmes qui font plus comme. Là, on parle de port de marché, bonbon, marseur, chez Graff, Nestlé, Akperao. Ils connaissent encore Pico 5 dans le pays. C'est eux-mêmes qui Pico compagnie. Ils produisent à peu près 95% de chocolat qui est disponible sur le marché. Et moi, chocolat, ça, ici, dans le contexte haïtien, et chocolat Hershey, gen Snickers, gen Reese, qui gen Mambaladan. Donc, yo concentré dans la compagnie que le Caligo Complet et c'est moi, tout là-dedans, c'est compagnie américaine ou bien européenne, qui en réalité, c'est eux-mêmes qui produisent plus fort chocolat industriel. Yo contrôlé presque 75% marché. Si nous regardons par exemple, par ma partie marché, moun ki moun le café par exemple yo fait beurre cacao yo fait chocolat pour mettre dans l'aide Palmer Craft avec Nestlé qui gen même non yo contrôlé à peu près deux tiers dans portion marché ça et puis après ça si nous gardons et commerce cocoa c'est moun kap acheter cacao kap déplacer dans le monde entier gen deux compagnies qui contrôlé à peu près un tiers marché en général. Et il y a plus ou moins 10 dans la compagnie commerciale ça y est, dans le monde entier. Donc, son marché, côté tout bas, est concentré, côté pouvoir, richesse, avec décision guidée par politique et par capitaliste dans le gros pays. Ça y est, concentration, tout le monde a parlé de production cacao. Côte d'Ivoire avec Ghana, c'est deux pays qui produisent 60% cacao dans le monde entier. Il y a tellement une relation avec le prix cacao que dans l'année qui passé et c'est dans le monde entier qui a affecté Haïti, République Dominicaine avec un pile d'autres pays. Essentiellement, il y a deux ou trois bonnes semaines, l'appui Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'attendre à ça. Donc, il y a un pile cacao qui poussait sous bois et puis il y a un surplus de cacao qui fait que le prix a baissé dans le monde entier. Donc, sur le marché mondial n'a arrêté pas tout simplement parce que tu as la pique de tomber en Côte d'Ivoire. Pour nous, si nous regardons mondialement la production de cacao, nous sommes capables de voir principalement ça arriver. Trois calendars, cacao, ça y est, il produit en Afrique 10 et 15% en Amérique latine et 12% en Asie et en Océanie. Donc, souhaiter ça, ben, nous avons une bonne idée sur qui j'ai un marché cacao. Mais il faut que nous ayons un peu de parti cacao, ça, il faut comme commercial sur le marché.
mondial et au Vani avec prix qui sont en bourse internationale. Donc, son cacao cap vend entre 2 000 à 700 $ par tonne métrique. Donc, on y a une histoire de cacao à chocolat. Depuis longtemps, dans le 17e siècle, on y a yo prend cacao hein, yo séché, yo moulin et puis yo floppé le feuille banane. Donc c'est ça, yo le chocolat pays, mais puis gros partie chocolat yo produit industriellement passé comme au fur et à mesure que l'industrialisation prend pied, chocolat vient démocratisé, il vient disponible pour en pile plus de monde qui peut gagner accès. Les tout non bonbons, les vins fin côté, premier ingrédient là dans le c'est sucre et deuxième dans c'est lait. Donc souvent, produit que nous consommons, nous avons au chocolat. Mais si nous voulons garder qui va le chocolat au gagner, il va en pile. Du tout. Si nous regardons les prochaines diapositives, les gens que moun consomme et bonbon ça, est-ce que moun t'a deviné qui va le cacao qui gagne dans ça? 10% non, les 11% ou bien deviné 11% contenu cacao. Et les m'a réfléchi sur ça. Si moun longeon belle et plat du riz à pois haïtien et je dis c'est 10% là dedans seulement que ça d'Haïti. En réalité, puis faut se rejoindre dans un chocolat yoshi, c'est lait en poudre avec et sucre, mais c'est pas un bac qui gagne en pile chocolat. Exemple, par exemple, c'est que CRS montre nos miches image ça nous a joué dans le supermarché haïtien. Nous sommes capables de faire une boule de chocolat payée qui procure un pile qui a un pile de cacao là-dedans et un pile bah, pour le cacao Milo qui est un produit mexicain ou bien Nesquik ou bien Tichèque qui est un produit haïtien et puis chocotolo puis fois là-dedans concentré sur le sucre mais il n'y a pas un pile de cacao. Donc ça c'est le résultat démocratisation avec industrialisation, mon côté, vous consommez chocolat. Produit populaire pour chocolat, vous avez tendance pour un aspect si là. En fait, 95% du chocolat que vous consommez dans le monde entier, c'est chocolat au lait, à clet. Et en pile, mon attendu à ça, vous comprenez ça, c'est goût chocolat vraiment. Mais le regard des prochaines diapositives là, pour satisfaire deux mondes qui viennent sur le marché, planteurs recevront PPT dans la valeur générale chocolat. Et nous sommes capables ici dans le chocolat. Ça, producteur, c'est 3-6% que recevront dans la valeur. Alors que le détail, même yo prend 43% dans la valeur chocolat. Donc, comme son pyramide tête en bas, mon qui plante cacao, recevront moins scope alors que vos compagnies, c'est eux-mêmes qui ont plus scope. Donc, nous avons regardé ici pour nous que Bahia a changé parce que dans les années 80, en pile dans le monde entier, 16% de comme ça, c'est planteurs qui ont déjeuné. Et en mesure que l'année va passer, et prix cacao n'a pas monté, donc producteur que planter cacao, c'est le travail de Simon. En pile, nous sommes contents de parler de travail de Simon dans l'Afrique de l'Ouest. On a parlé de mauvaise forme de travail de Simon, on a parlé de travail de Simon que internationalement, il est désigné comme bac qui pas bon pour Simon. Ça veut dire que côté chai qui trouve l'oubouillot, qui a endommagé d'oyo avec mon yo, avec monsieur, ça veut dire que yo pas passé dans la famille. Donc, son façon très spécifique, et nous connaissons que le travail de monde ça veut exister dans pile pays qui produit cacao, c'est pas seulement dans le contexte africain, mais son pari que consommateur vient
bien prendre conscience de ça. Donc, cacao et chocolat en particulier sont problèmes que tout le monde a attaqué au chocolat. Si nous continuons, nous sommes capables de voir que question complexe en pile. Et en mesure d'en passer, nous avons une déconnexion entre consommateurs avec planteurs. Ça peut être petit pour nous, mais nous avons un point si planteur. Et pour voir tout l'autre monde jusqu'à ce que arrive dans le consommateur final. Donc, d'après l'histoire, mon connaît côté cacao sorti, si nous sommes au Mexique, ou bien si le chocolat est fait avec cacao qui sort de Colombie, donc il faut le monde entier manger chocolat. Il n'y a aucune idée dans quel pays il sorti. Donc, son chocolat qui n'a pas de nom. Et c'est ça que le consommateur a aimé, ouais, changement là-dedans. Et son bagage qui fait un peu dans le contexte haïtien, tout. Premièrement, production de cacao, c'est toujours dépend en pile sur le travail famille qui part au reconnaître. Et c'était des produits agricoles qui étaient produits premièrement par indigènes que l'Espagnol était réduit en esclavage. Et dans le Nouveau Monde, dans le Caraïbe, dans le Brésil, aux États-Unis, et puis je dis, l'histoire s'est arrêtée. On dit que les gens qui travaillent, les agriculteurs, c'est eux-mêmes qui jouent moins scope dans n'importe quelle région qui produit ça. Et ça fait que l'inégalité est plus grosse dans la chaîne d'approvisionnement. Même si on veut exprimer, on n'a pas d'opportunité pour exprimer ça. On n'est pas capable de faire une ressource pour rejoindre ça. On a besoin de permettre aux compagnies ça pour continuer à assembler l'argent avec pouvoir et puis pour continuer à concentrer. En plus, que des inégalités structurelles sont pas gagnées en Haïti, sont pas acquises sérieusement montées. Commerce international dans la combinaison de pile pays en Europe et en Amérique du Nord, c'est eux-mêmes qui mangent plus de chocolat et c'est eux-mêmes qui font plus de scope dans le cacao avec chocolat. Et famille avec production qui fait la famille, donc nous avons une inégalité dans la production en Haïti et dans l'autre pays qui est plus riche et l'autre qui est moins riche. Il y a toute qualité et inégalité entre femmes et garçons, etc. On partit d'un problème, c'est que le problème qui existait dans la chaîne d'approvisionnement cacao et chocolat est plus complexe que toute solution que vous proposez. Les solutions qui ont tendance pour traiter les symptômes, non, mais pas traiter maladie. Hein, parce que si vous traitez maladie, hein, l'inégalité va exister. N'a pas de marché certification. Son façon que essayer de résoudre certains des problèmes qui gagnent dans le cacao en termes d'inégalité. Mais si nous gagnons la nouvelle certification qui est bien importante, qui est ce qui reconnaît le symbole de commerce avec justice et UTC? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît les points de droit professionnel qui le veut, qui voyage dans le monde entier? Qui reconnaît l'UTC, c'est certification cacao qui conjoint B plus écrit en forêt pluvieuse. La alliance forêt pluvieuse avec UTC, il y a une fusion entre eux, il n'a pas entré dans l'autre, il a fait une, mais il était en opposition que les consommateurs ne reconnaissent pas trop. Une étude de Pipito aux États-Unis. Les États-Unis montrent que les consommateurs aux États-Unis leur demandent qui s'alliance. Rainforest en fait dire oui. Son certification qui sauvait la vie crapo, peut-être très simplement parce que sous-images ont gagné un crapo vert. Mais son certification qui est importante en cacao et en chocolat que vous reconnaissez, ça c'est certification organique États-Unis et puis que certification européenne dans tout. Mais il y a une qui a un rapport avec Haïti.
artiste Chocolata Za. Son petit compagnie qui base Boston, Massachusetts, qui s'est ville côté de sorti. Il travaille avec Pizan Haïti, qui est l'autre compagnie, qui base dans le pays CDO, qui troisième monde entré pour certifier transparence qui gagne dans la chaîne d'approvisionnement certificat appliqué seulement en 200 tonnes métriques cacao, mais pas grand pilader qui sont d'Haïti. Nous allons continuer pour nous voir si nous avons des bois ici. Nous avons quatre qui montrent qui pays sous la terre, qui paye plus de certification. Et couleur qui plus claire, montrer cacao qui pas certifié et ça qui pi foncé, montrer que c'est cacao qui certifié. On va être intéressant pour connaître ça que voisin nous, République Dominicaine, c'est pays qui plus certifié sous la terre en termes de cacao. Puis aux valeurs et cacao qui fait dans la République Dominicaine certifié comme organique. Sous les pays de Ghana, Côte d'Ivoire, c'est à peu près encore un tiers là-dedans qui certifié. Sous le cas du Brésil, il y a un quatrième ou cinquième pays producteur sous la terre, il n'y a presque aucune certification du tout. Et ça, nous sommes capables d'apprendre, nous sommes capables de c'est que différents pays approchent le chocolat avec stratégie cacao, un genre qui est différent, et on choisit si oui ou non, il va rentrer dans la certification. Dans le cas du Brésil, un producteur fait calcul. Je vais déterminer que la certification, c'est une bonne décision pour eux au niveau de l'agent. La République Dominicaine font l'autre calcul, il y aurait que une certification organique ou bien bio très important pour marcher par eux. Donc ce type de calcul, ça y est, que nous devons appliquer ici dans Haïti, tout, nous sommes capables de garder par ça. Et l'important pour nous connaître que la certification va résoudre tout problème, il y a une preuve que nous sommes capables d'aider, nous sommes capables de bailler. Plus comme en général producteur cacao ou bien il est capable de plus bon prix sur le marché. Mais si nous regardons là, nous voyons commerce justice en 2010-2011, c'était 124 000 tonnes métriques de cacao qui produisent. Certification, ça veut dire que l'autre différence que 75 000 l'autonio vendent comme cacao normal sans apporter plus qu'on pour nous être capable de garder production de cacao organique. Seulement 70 000 tonnes métriques de tout ça que tu produis recevoir certification. Nous avons gardé à l'esprit pour eux 405 000 tonnes de produits, seulement 140 000 là-dedans recevoir. Puis bon prix. Ensuite, nous avons gardé UTZ. Ils produisent 4 millions combien et seulement 118 recevoir. Puis bon prix. Donc, nous marchons très sérieux et avec un peu d'efficacité dans n'importe qui décision que nous prenons pour certification, fonction bagaille. Nous devons connaître tout le monde. On va aller investir dans la certification et nous sommes certains que nous allons jouer bénéfice et que valeur investissement et moi, tout le monde. Donc, essentiellement, bagaille, c'est bon prix et. Il n'y a pas augmenté depuis 16 ans et puis il y a des déficiences dans le commerce. Dans la même en pile producteur de cacao dans le monde entier, il y a 1, 2, 3 ou même 4 certifications et pourtant ils ne sont pas capables de vendre le cacao et puis bon prix, ils ont juste vendu à prix normal. Donc, mon monde doit comprendre ça. Si nous continuons, nous sommes capables de penser à l'autre moyen que le marché a essayé de jouer une solution au problème que le producteur de cacao a gagné. Et oui, cherche-moi concentré sur ça. Et ça relève cacao avec chocolat fin et spécial. On y a parlé de bon goût, on a parlé un peu de qualité, de luxe, de importance, marque. Un pays à cause du cacao. Donc, nous avons un peu de marché national.
cacao normal et puis gagner cacao qui est fin et qui est spécial. Donc son bagage qui est très complexe, c'est le pas scientifique même. Donc ça qui est important pour comprendre là, c'est que définition fin par rapport à cacao en gros, son bagage qui est historique et politique tout. Pour capable que la grande majorité est fève cacao. Normal, il n'y a pas aucune valeur pour lui. Donc ça c'est une façon pour comprendre ça qui fait hein, spécialement avec ça qui est en cours. Et pour nous apprendre conscience de ça et pour nous rompre avec ça parce que son règle qui n'est pas appliqué également à tout pays. Fait avec cacao normal, 93 à 95% de cacao qui produit comme normal. Qui produit dans le monde, il est considéré comme normal. Peut-être 5 à 7% de cacao sain, il est considéré le cacao fin. Donc, son vraiment petite quantité petite. C'est pas pour dire que la produit moins cacao fait, mais il continue à grandir comme ça pendant 200 dernières années, alors que cacao normal grandit comme ça. Donc on a investi plus d'énergie dans ça. Donc ça sont 4,5 millions de tonnes métriques autour du monde. Mais techniquement, dans le contexte haïtien, selon la variété cacao, il était montré dans la présentation matin. Cacao haïtien, il faut qu'il soit considéré cacao fin et il n'y a pas considéré le conseil. Je vais l'expliquer qui ça. Si nous regardons là, ICCO, COCOA, Organisation internationale COCOA, qui est estimé, je vais répéter un peu l'information qui était matin. Donc en 2015, il était estimé quantité cacao qui te vendent dans différentes catégories. Ça joue quand même assez normal, non, mais conventionnel. Et ça, c'était avant que le prix cacao était tombé. Donc, il y a un genre et augmenté. Donc, il y a eu 3 200 000 tonnes de cacao qui te vendent tant que pour prix conventionnel ou bien normal. Il y a 600 000 qui te compris normal, mais certifié. Donc, il y a à peu près 240 000 qui recevront une valeur fin ou bien ultra fin. Ok, donc c'est pour nous garder les chiffres, c'est pour nous voir que non, fin ou bien ultra fin. Et c'est ça qui toujours fait mon très excité. Comme mon petit que t'es fait, 3,7 jusqu'à 5 000 dollars par tonne. Mais il y a pour recevoir 5 000 à 10 000 par tonne métrique dans la catégorie ultra premium. Imaginez où tu as fait tout comme ça de cacao. Il faut continuer à imaginer parce que très peu de monde vraiment recevoir prix ça pour cacao. Les chiffres ça, yo gonflé en pile, yo pas vrai. Qui ça, les petits nous pas cacao. Mais ça, c'est un tableau qui était publié par le comité international de quoi. Qui pays qui considérait des pays qui produit cacao fin et qui quantité de cacao qui considérait fin. Si nous, comme on fait des douzaines d'interviews, qui j'ai décidé ça, en fait, ça c'est des désignations très politiques et pas reflété vraiment quantité de cacao qui vendent pour type qualité fin. Donc là, on va voir un exemple. Par exemple, Bolivie là, elle dit que Bolivie gagne 100% de cacao fin. Et quantité cacao qui vend avec une valeur de qualité en Bolivie. Mais pourquoi est-ce que ça, on l'autre qui est intéressant là, c'est Nicaragua, gagne
pour 100% cacao fait. Et désignation, ça a fini après une période de plaidoyer politique par des acteurs qui ont le pouvoir dans le domaine ça pour classifier Nicaragua dans le cacao fait. Mais les gens qui ont l'industrie, ils ont dit oui, cacao a un potentiel pour les faire. Mais il n'est pas toujours séché, il n'est pas toujours fermenté. C'est pas vraiment un cacao qui t'a recevoir un prix de qualité. Mais deux tiers de cacao, il y a un prix conventionnel, moins que conventionnel. Mais chiffres, ça, ce n'est pas des vérités, c'est plutôt des aspirations. C'est les gens qui ont pensé à cacao. Non? Ce n'est pas une façon pour prendre des décisions logiques sur une stratégie pour le pays. On connaît que Haïti n'a pas beaucoup de représentation dans la réunion ICCO pour être capable de convaincre le comité politique ça, pour encourager et mettre cacao haïtien hein, comme fin. Et ça, c'est un pile d'informations. Est-ce que nous, là, toujours, ok, bon, on a tout le monde, on a une politique, une politicienne. Si on regarde les productions cacao, là, dans le pays, l'Amérique latine, ça y est, quelques réalités. Si on regarde les Bolivies, une valeur pour qualité. Donc, ils considèrent 100% cacao fin, mais 98% là-dedans, ils vendent dans un cacao normal ou bien conventionnel. Et ça, c'est la réalité de cacao fin, marché cacao fin. Mais si nous relèvons le cacao fin, mais il n'est pas cacao fin, si vous ne recevez pas valeur, un prix qui n'est pas valeur. Il y a un autre exemple, c'est la République dominicaine qui considère. Dans la République dominicaine, c'est cacao Sanchez, c'est n'est pas fermenté, donc il n'est pas qu'à vendre sur une base de coulée. Mais seulement 28% de cacao, ça recevoir vraiment une valeur de prix basée sur qualité cacao. Là. Donc, ça que tu as mentionné tout le monde, c'est pour capable de montrer que le prix cacao que vous avez là est lié avec qualité. Hein. Mais il faut qu'il y ait des acheteurs qui sont disposés pour payer le prix ça. Mais pour le marché cacao, la spécialité est moins que le chiffre que nous avons gardé devant là. Quand on a parlé de qualité, degré qualité, pas de normes de qui j'en pour bailler un degré. Si vous habituez avec l'industrie café, on est capable de bailler un café différent. Un chiffre qui bailler un degré de café qui j'en pour décider si café est capable de payer un prix. Ça peut exister dans le cacao, mais qu'il y a un groupe international qui travaille dessus pour y faire, pour y développer des normes. Mais le mécanisme ça a existé dans un pilote industrie. Il n'y a pas de raison que vous n'avez pas développé au moins internement en Haïti pour être capable de faire différence entre marchés. Vous capable de voir exemple café, thé, du vin, sucre, banane, orange et même cacao normal pour être qui sont différents pour une différentes approches de produits. On a parlé de goût de marché chocolat à coulée, donc nous n'avons pas dit de produits bruts pour nous faire des produits industrialisés. Donc, c'est marché chocolat qui pousse et désire pour un cacao premium, qualité premium. Sous le marché café, ils ont considéré son spécialité. Ça veut dire Starbucks ou bien Green Mountain ou bien Blue Bottle. À acheter café pour valeur spécialité basée sur qualité. Pierre, là, par exemple, qui ont manqué les pierres craft. Le moins important, c'est 20% du marché. Fromage, 15%, du vin, c'est 10%. Mais chocolat, c'est peut-être 1% du marché hein, qui est dans la catégorie qualité. Ça. Donc, son baril qui a fait mon peur parce que son marché qui pitié. Mais moi, je suis en opportunité pour grandir. Ma bon exemple, par exemple, qui j'en l'a grandi. Donc, le marché pour chocolat normalement, 99%, c'est
3 à 6% la donnée qui produit par année. Il y a 5 compagnies chez Nestlé Mars. C'est eux-mêmes qui ont poussé pour grandir le marché. Il y a vendu en Afrique, il y a vendu en Asie, mais ils ont trouvé que ils n'ont pas acheté autant de chocolat que d'attendre. Donc, croissance marché a ralenti, mais dans premium le marché a augmenté. Donc le marché c'est la augmenté de 7 à 10% par an. Donc ça c'est un chiffre qui est important. Parce que imaginez qui change l'industrie parole n'est capable d'entrer dans la dynamique. Dans 1970 et 1980, quand des compagnies ont commencé et fait marché ça a grandi, il faut habituer avec le chocolat bonnet, Valrhona, c'est des compagnies importantes qui déjà acheté cacao de Haïti, yo français, aussi Bernachon et Domori, qui c'est une compagnie italienne. Et compagnie ça a commencé ils ont commencé à produire différents types de chocolat. Donc, ils ont dit nous-mêmes nous-mêmes cacao dans tel ou tel pays qui a un particulier pour nous capables de produire un chocolat noir qui est différent que ça. Son bagage, une dynamique qui a commencé en 1970-1980, qui vient très populaire autour du monde. Si vous regardez le prochain diapositive, que North American marché américain a été inspiré par Schaffenberger, que Hershey's finalement acheté, ou bien De Vries, chocolat De Vries, ou bien l'autre compagnie. Il y en a eu à opérer en Haïti, Taza Chocolat. Donc Soma, Taza, Patrick, Askinosi, Armando, Rogue, Egel en Haïti, les chocolateries Ascania sont marques locales. Il y a pas acheté des certaines quantités de chocolat. Il y a à peu près 5 à 6% dans l'année 2000 et dans les dernières 10 années, 15 années, ils ont augmenté les chiffres en pile. Ils ont gagné à peu près 200 là-dedans en Amérique du Nord. On a regardé qui j'en ai grandi. Si nous regardons la prochaine diapositive, nous sommes capables de voir que marque spécialité haïtienne, ça y est, il faut concert de libre, chocolat Ascania sous mes gauches, et ça, sous l'autre produit pour beurre chocolat qui incorpore miel, sirop miel avec mamba haïtien. Et il faut que nous conscients que foulier à marché a manqué, il y a une définition de ça, il y a un chocolat fin, il y a des normes pour définir spécialité ou bien cacao fin, il y a un manque de différenciation de secteur premium là, et manquer collection et données pour et vérifiables. Pour être capable plus vérifiable que les chiffres démontrés nous avant, il y a manqué de transparence dans la production. Donc, on a parlé de quantité et on a fait chocolat. Il y a 192 aux États-Unis qui ont opéré à petite échelle, qui ont acheté cacao. Ils ont pris de qualité. Il y a 34 au Canada, 92 en Europe, 57 en Asie, Australie, 6 en Afrique. Et vraiment, ça appelle 100 dans le Mexique, Sud-Amérique et la Caraïbe. Donc, ça nous capable, c'est que y a des pays qui ont une longue tradition de consommer chocolat. Donc, pour producteurs de chocolat, on a grandi tout. Il faut que nous conscients de combien de cacao et compagnie ça va pas acheter. Quantité qui est très petite, donc sous cas des positions Haïti,
chiffre ça yo li important pour Haïti. 450 nan compagnie ça yo autour du monde utilisé moins que 10 tonnes métriques cacao par an. Ça c'est des petites compagnies tout petit. Quelques là-dedans, peut-être une vingtaine, tant que Dandy Lion ou bien Fresh Broad, sous les gars de qui j'en compagnie ça yo opéré ou ça yo yé, yo utilisé 10 à 15 tonnes métriques de cacao par année. Et sur des 10 dans la compagnie SAO utilisé entre 50 et 200 tonnes métriques de cacao par un chocolat bonan et taza. Et même yo acheté de Haïti. Et le fini, il y a 30 compagnies qui utilisaient plus que 200 tonnes métriques. Regardez, le c'est 2000 tonnes métriques, le c'est 4000 tonnes métriques. Mais très peu là-dedans, il y a une transparence sur quantité de cacao que vous achetez vraiment. Donc, ça, c'est deviner, map deviner. Donc, c'est des compagnies de Valouna qui achetaient de Haïti et puis Tio qui achetaient de Congo. Donc, nous sommes capables de suivre trace. Il y a 1000 ou bien 2000 tonnes métriques de cacao sayo qui peuvent aller dans la compagnie sayo. Dessus, c'est plus que ça. Mais nous, il est difficile pour suivre trace chiffre parce que pas de transparence. Donc, on risque pour prendre décision dans ce sens. Sous garder combien il y a payé en plus pour cacao. Plus fort dans le cacao qui vend dans le marché spécialité. À recevoir à peu près $500 en plus par tonne que le prix conventionnel pour cacao normal. Donc, il va recevoir $6000 par tonne métrique, il va recevoir $500. Donc, il va recevoir un petit argent. À peu près 1000 à 2000 tonnes métriques de cacao, ça va recevoir un prix plus élevé. C'est le cacao qui va recevoir $4000, $5000, $6000 par tonne métrique, mais c'est vraiment une petite quantité de ça. Et finalement, le nombre de qui pour cacao ça a sorti des groupes de producteurs qui ont accès à marché ça. Il faut que nous prenions conscience de ça. Tout gain à peu près 75 opérations de planteurs qui sont actifs dans la spécialité en général. Il y a 50% il y a planté sous contrat. C'est des business privés qui opéraient, ils ont fermentation avec pour des prix séchés. Ils ont acheté cacao mouillé dans la communauté autour et puis ils ont séché. Donc, il y a une portion de cacao dans la fermentation. Il y a 35% de producteurs. C'est des propriétés privées qui ont un pile là-dedans. Qui propriétaires, c'est des expats, c'est des gens d'Italie, de Venezuela, de la France qui vivent en Colombie, qui sont d'Espagne qui vivent en Équateur, qui possèdent des grands parcelles de terre et pour faire marché et ils ont des bonnes connexions internationales. Et seulement 15% de cacao ça, qui vend un marché spécialité pour une compagnie chocolat spécialité, ça sont de coopérative avec association planteur, soit opéré dans le contexte de coopérative ou une association qui est capable difficile pour le moment pour avoir accès à marché. Ça, Bamboyon est exemple. Dans la République dominicaine, et nous venons de nous présenter un câble à 2 mai. Façon cacao ça mettez sous marché, l'idée que vous êtes capable de goûter, depuis que vous fait là avec Jean-Luc Prédéa. Donc, le pays a développé une réputation. Par exemple, la République dominicaine dit que cacao a un goût citron, bien fruit rouge. Madagascar a réputation, par exemple, que gen goût cerise, raisin et Venezuela gen goût cacao. Venezuela c'est comme si pêche à crème qui gen goût cacao, pas gen goût ça. Donc développer des réputations à travers le territoire, mais faut un pile de travail avec un pile d'investissement dans la qualité avec la production. Et puis
il faut que la qualité soit des mêmes gens. Quel que soit le passé, nous sommes capables de prendre l'autre façon que nous faisons réclame. C'est par rapport à la génétique. Donc, il y a les, par exemple, ceux qui étaient créoles avec Baïsa EDR, mais ils disent que le cacao n'est pas noir. Ni un tel, pour le monde qui a fini dans l'atelier. Demain, nous pourrons goûter différentes variétés de cacao. Ça yo, pour nous capables pour qui ça, mon Dieu, excité comme ça pour différents goûts. Mais sur l'autre façon, important que le cacao ça sous-marché. Finalement, on gens que le cacao en sous-marché, c'est par rapport à la transparence. Il y a une chose qui est importante. C'est, par exemple, mon Dieu qui est intéressé pour rejoindre une certification, il y a besoin de monde qui est intéressé dans le cacao. Nous, mon compagnie là qui travaille ici en Haïti et l'autre qui sorti dans le tas à chocolat, qui naturellement pour un jeune cacao en Haïti et il y a des rapports détaillés. Il y a pile d'informations sur le cacao et le chocolat qu'il y a acheté, qu'il y a produit. Donc, il y a trois façons. Sur le territoire, sur la génétique, avec transparence, sur le pays, ça aussi est important que le marché. Le chocolat spécial là a cherché et façon que vous mettez le marché. Il y a des systèmes récompense ce qui existe. L'important pour nous conscients de ça, par exemple, et excellence, projet, préservation, cacao, est capable de coûter un pile l'argent pour entrer dans le système de récompense. Mais on a un pile prix. Par exemple, une seule compagnie qui recevait 17 prix, un seul coup. Donc, qui j'aime ça, qui réussit dans ma chair. Donc, producteur cacao, produit ou un bien vendre sur ma chair. Il y a un fait de confusion. Soit regarder du marché certification avec marché ou fait un pile différence dans le consommateur. Par exemple, un poteau cacao à gauche que il y a des chocolats qui en voie de disparition. Son cacao anonyme, on va dire côté aujourd'hui, on va pas parler de cacao. Il dit tout simplement que son chocolat noir à 70%, mais il y a tout simple. Il y a un sac par OMG, ça qui va être gluten. Il dit que 10%, par exemple, dans profit que nous faisons, nous balis pour préserver espèces animales qui disparaissent. Ça vend à peu près 3 dollars américains par barre de chocolat. Donc, ça c'est la marché de certification. Vous nous regardez à côté, nous voyons un barre de chocolat François Pelou qui c'est un. Et le monde qui fait chocolat, on fabrique un chocolat en France, il dit que le chocolat l'on fait Pérou et il dit que le bon certification organique et marché français a une obsession sur la question de organique là, et le chocolat ça vend 9 dollars américains. Après ça, il y a 6 000 seulement de chocolat ça qui fait dans une seule année. Naturellement, un chip qui produit 5000 kis par minute et chocolat ça fait avec cacao porcelana qui sort du Venezuela. Donc il y a une discussion sur terre avec finesse chocolat et chaque pas chocolat ça vend 18 dollars américains. Mais il est possible pour sur le même étagère, pour le même consommateur, en pile variation et puis en pile confusion dans le marché, de façon que lié journée et jeudi. Donc il faut nous prendre ça. Mais bonne nouvelle dans tout le pays, nous ne sommes pas obligés de prendre sur le marché pour résoudre le problème, parce que le marché ne va pas comme ça à faire. Ça nous sommes capables de faire, c'est de prendre de monde. Pour nous résoudre le problème, nous sommes capables de faire machin, nous sommes capables de changer, nous sommes capables de faire de nouvelles catégories, produits différents, consommateurs.
puis éduquer. Et tout ça est possible, et ça nous joigne. Là, on a résumé toute recherche pour nous faire changement, ça est possible. Par exemple, des conférences comme ça, important pile, c'est pas un seul monde qui est capable d'avoir une solution. Et en pile, monde négliger l'opinion producteur. Donc, pour réussir, il faut être capable d'avoir une opinion producteur. La transparence est important pile. Parce que nous ne sommes pas là pour nous faire rien qui était là depuis longtemps. Nous ne pouvons pas partager ce que vous faites, nous ne pouvons pas partager chaque jour. Et si nous partageons ce qui marche bien, ce qui va marcher bien, nous sommes capables de réussir plus rapidement avec plus d'efficacité. Et par exemple, l'organisation de base est importante dans le secteur cacao. Par exemple, ça pour qui gens que un producteur qu'on va pas appliquer, par exemple, insecticide avec engrais, un champ qui est bon. Ça, c'est des solutions que nous jouons dans le sens social et durabilité. Non. Environnemental. Tout projet qui concentre seulement sur une seule bagaille, ça, ça veut dire que nous négligeons l'autre aspect. Donc, cacao a des problèmes qui sont graves en pile. Bah, c'était pour rejoindre un problème ou créer l'autre. Donc, lorsqu'on fait un proche, en général, nous sommes capables de bien durer. Et ça, c'est un partage valeur avec un partage durabilité dans la chaîne. Approvisionnement. Il faut que l'industrie partage valeur avec responsabilité travail que vous faites dans le cacao, dans le chocolat, comme ça, puis il faut que vous avez une bonne valeur. C'est ça seulement que je vous dis merci. Good afternoon, everyone. I am Mérissier Panel. I'm a taster of the National Institute of Coffee of Haiti. About the presentation that was just made, if the cocoa-producing countries consume only 4 to 5% of the chocolate that they produce, it means that they don't produce. Et puis c'est seulement 3 à 4% de l'argent produit fini qui rejoint le producteur. Ça veut dire que vous n'avez pas l'argent assez pour continuer à produire. Tant qu'il y a produit, tant que la bio pas amélioré. Qui politique grand pays consommateur vous mettez en place pour faire cacao continuer à produire? Est-ce que ICO permettez une structure pour faire justice à la producteur et puis encourager à continuer à produire? Merci. Exemple par exemple de la Hollande ou bien Scandinavie, façon que ta pays bien dirige valeur, hein, bah, arriver dans le producteur, il y a beaucoup réussi parce que vous faites commencer. Mais pensez que son façon pour nous colter avec problème ça. L'autre là, c'est à travers des accords internationaux pour créer différents prix dans le niveau international. Par contre, le contexte haïtien est assez bien. Donc, je ne peux pas parler de ça en tant qu'expert parce que c'est la première fois que je bénéficie. Mais il y a un pile pays que l'on fait commerce. Il fait plus comme l'on fait. Et. Matériel au lieu de produits finis. Matière première, là. Banque avec investissement international, c'est l'autre domaine qui a dû changer. Le monde qui a cherché à investir dans un pays qui produit cacao et au pays ton intérêt qui est élevé en pile. Et parce que aux États-Unis, ils ont considéré tout d'intérêt ça illégal.
Donc, à travers politique internationale et plus de politique en commun, sont l'autre façon que tu as changé la situation. Ça m'a dit moi-même, si un pays qui produit cacao consomme plus chocolat, ça montre qu'il y a plus de valeur qui retient dans le pays, mais ça va résoudre tout le problème. C'est ça qui arrive à Ghana. Tout l'autre jour, là, il y a construit une grosse factory de chocolat et mon yon était excité en pile. Et la façon que vous vendez par le peuple ghanéen, c'est que vous dites que la créé un pile job. Mais la factory a seulement créé 60 jobs parce que ce n'est pas un pile monde. Il n'y a pas besoin de pile monde pour travailler. Donc, il n'y a pas résoudre un pile problème. C'est deux, trois problèmes seulement le résoudre. Et à la fin, monde qui n'a ni faux. Organisation de base, il m'a dit plus quoi pour cacao. Il m'a dit que mon yo, acteur yo, capable yo plus engagement. Mais en général, nous sommes capables de plus valeur à mon qui produit cacao à cause de bagay sa yo. Baron, can you take the next slide? Ok, il y a une présentation que vous faites déjà qui peut vraiment couvrir ça, moi-même plus visuel moi-même. Ok, n'a pas gardé chaîne, présentation qui a été claire, présentation chez Chesnel a été claire, présentation et Stéphane a été claire, intervention ministre a été fait claire, net. Et puis nous-mêmes, Caselia, nous-mêmes sont acronymes qui veut dire centre d'appui et de services aux entreprises locales et internationales. Nous-mêmes, nous pas nous faisons cadeau. Nous accompagnons, nous bon marché pour vendre cacao là. Et puis, si vous avez un petit problème, vous n'avez pas assez de pour faire, nous avons comment faire intervention. Mais nous-mêmes, depuis le tournée en Haïti, c'est l'écosystème entrepreneurial là, nous venons renforcer. Et nous venons remarquer après plusieurs années, producteurs vraiment ou qui n'ont base et chaîne de valeur là, Jean Agodom Chestel te dit, moi-même j'ai eu chance de voyager dans plusieurs pays pour travailler avec planteurs cacao. Planteurs cacao dans l'autre pays et pas juste planteurs plantés, mais ils ont fait ça. Ok, mais même nous là pour nous voir si même bagaille ça qu'arrivé à Haïti tout, pour leur mettre un planteur cacao haïtien Chita, un planteur cacao dominicain Chita, ou un planteur cacao ghanéen Chita, ça qui a passé à passer pour tout le monde. Ça veut dire, faut que nous connaissons ça n'a fait. Nous même dans la chaîne, nous même nous pas financer tout bagaille. Ça ne financer, c'est ton bagaille simple, il faut que mon contrat. C'est contrat nous te financer. Puisque nous avons acheteur, parce que souvent c'est nous mettons en contact avec acheteur. Et acheteur, ça nous travaille avec dans plusieurs pays à travers le monde. C'est facile pour nous financer le contrat. Nous pas demander nèg pour bailler terre, bailler caille, bailler rien. Nous juste demandons faut un contrat authentique. Un contrat que nous-mêmes nous avons validé avec acheteur. Ok? Et puis nous financer le contrat ça. Jean et Madame Martin te dit, ils parlent de tout, ils te font on survolé de toute chaîne. Ils parlent de trader, ils parlent de grinder, mais tout le monde ça a fait sec là, c'est le monde ça a vraiment cap gérer chaîne de valeur là. Et puis là, le monde retail, et puis juste ils joignent, le monde cap manger bar de chocolat ou bien cap consommer cacao. Nous même intervention nous vraiment irrité dans trois premiers parties, dans small order, dans trader avec grinder. Mais comme Haïti l'on arrivé, nous avons fait une intervention plus au niveau small order avec trader. Okay? C'est là que nous fait intervention. Non? Et comme nous tous qui là dans la salle là, okay, nous dans le secteur, nous travaillons avec des mondes clés. Préférence nous vraiment c'était travailler avec coopérative parce que coopérative c'est un grand modèle, fédération qui nous touche plus monde, c'est ça que préférence nous. OK, mais nous travaillons tout avec compagnie privée.
Ce qui est important pour nous, c'est que vous exportez pour faire cobre rentrer en dollar américain et puis le dollar américain arrive en Haïti, change en gros depuis la guerre dans les producteurs. Pour nous, rebrasser, acheter ça pour nous acheter, c'est ça qui est impact pour nous. Parce que votre capital à lui-même, c'est ça qui est un impact first agriculture lender. Ça veut dire lui-même, en vente, il prête cobre là, ce pas montrer que vous avez un impact social. Il n'y a pas de travail avant. Ça veut dire que tu as une condition pour ça fait. Et nous avons une chance, l'équipe ça me présente nous, mes amis, nous faisons toute mauvaise route qu'on est à Haïti. Parce que non seulement nous avons un cacao à tout, nous avons un café à tout. Toute mauvaise route qu'on est, nous facilitons la mission commerciale côté nous prend acheteur mené à Haïti pour aller visiter les producteurs sous terrain. Pour tester cacao pour voir si yo même yo ka en faire et affaire avec nous tout acheteur ouais que ka la te mentionné dans présentation là nous gen connexion avec tout monde ça yo ça veut dire me penser marché à niveau marché a pas trop gros problème qu'on y a on bagay clair te dit c'est qualité a c'est qualité a et qualité a mes amis le commencer depuis dans Jean-Pierre Bois à manger dans terre. Bagay k ap fèt la son bagay scientifique lié. Grand pile moun la m konnen levé ki jwenn pied cacao dans jardin yo. OK? Mais son bagay scientifique lié. Faut pied bois à manger, même café à tout, faut pied bois à manger. Ya pied bois gon pyramide tout faut li manger comme ça tout. OK? Ça li même c'était trois groupe moun sa yo nous ciblé pour nous travailler avec yo. Bon? Mais qu'on y a même l'un d'entre eux, il était important pour nous pour nous garder qui est qui a travaillé dans la chaîne déjà, qui ça qui était fait, et puis nous qui intervention ponctuelle pour nous faire. Parce que ensemble, c'est ensemble nous qui réalisons bagaille, on grand monde pas qu'à faire. Ça fait nous-mêmes nous concentrer nous dans ça nous connaît plus bien, et puis nous quitter reste bagaille au et l'autre groupe qui a fait le plus bien. Nous devons regarder rapidement sur le projet qui touche le cacao, passé et puis qui présent qu'on y est. La première qui est sous bord droit moyen, nous gagnons tout le monde bailleur de fonds qui finance ce projet ça. Et puis sous l'autre bord à gauche là, c'est le monde qui fait implémentation. Yo. Ok? Nous avons gardé dans la tête de liste, nous gagnons USAID dans la tête de liste. Et puis dans USAID lui-même dans tiro recherche nous fait nous étant aller rapidement nous avons un projet HAP projet DID puis projet avancé qui en cours actuellement qui est presque fini et puis on l'autre projet qui fait lancer pour reforestation mais cacao il a touché cacao là-dedans tout projet ça dans quatre projets sont sorti cité c'est deux implémentateurs qui réalisent eux CDAI avec Chemonix. OK, qui sous dossier ça. N'a pas remarqué nous avons gain logo Banque mondiale là-dedans, Banque mondiale lui-même travaille à travers gouvernement, ça fait web mettre ministère sur l'autre bord ça. OK. Banque mondiale lui-même projet RECEPAC là, OK, c'est Banque mondiale qui était dans base projet ça. Nous gain tout deux projets nous en bas PMDN avec DEFIA, c'est la BID qui TD campé DLI mais qui travaille à travers gouvernement tout OK dans projet me relé Haiti Cocoa Alliance là c'est projet que Fomin lui-même financé bid Fomin dans son agence dans bid lié OK que CRS implémenté qui couvre côté cacao grand région cacao qui c'est nord patinant notre projet ça son projet côté nous mettez tout acteur nous identifier toute force pour nous comment ka faire plus gros impact non non projet ça été exécuté par ambassadeur par Lutheran World Relief LWR et puis dans partie sud là jusqu'à Grenan c'est CRS qui fait implémentation directe là. Mais en addition de ça, nous avons gardé le logo USDA sous lui. USDA, il un projet Cabos là, ensemble avec CRS, lui-même tout, qui a fait l'implémentation.
Et puis, nous avons gardé en bas, puis en bas, nous avons gagné l'ambassade Japon. Parce que tellement d'informations, je ne vais pas mettre dans le seul slide, je prends ça qui est pertinent, qui lui-même est un projet de valorisation d'enrées agricoles du travail paysan que EPER est exécuté surtout dans la zone côté l'insel social, qui basé vraiment qui dans la zone grande dans cela. La première qui est là, mes amis, il y a un agronome vétérinaire sans frontières qui travaille en pile avec planteur cacao dans le pays. Ok, logo li là tout. La première qui pour chaîne de valeur, ça, il y a un pile bagay qui fait déjà là-dedans. Ok, et m'a tourné son un bagay clé, monsieur Jean-Pierre dit matin. Hein? Il dit qu'on y a même non, si, en pile des fois, nous pas jouer tant qu'on équipe. Ça veut dire là nous gain soir reste là son numéro 9 nèg là et nous voyons le devant nèg nèg ça est goal pour ba nous et puis nèg là camper carrément il dit c'est goal qui pèl vle hein ou bien camper dans mi-temps terrain il dit jodi a c'est dans mi-temps terrain là jouer pas dit là hein et problème là vraiment c'est nous remarquons en Haïti son problème synergie parce que dans tout projet ça mes amis qui fait là. Tout projet ça, le m'garde dans la recherche nous fait, il y a le résoudre exactement ça ne supposé résoudre, hein, que nous supposé résoudre année avant qui mettait nous là aujourd'hui. Moi connais Haïti, son pays, mes amis, nous dans le canal vent, cyclone mange nous en pile fois et nous victimes tout, nous même nos opérations nous avec Mathieu, dégâts moi Mathieu fait dans grand danse là. OK, qui jusqu'à présent qui bam côté fait mal. Mais dernièrement, je fais une visite, moi, ouais, la zone commence à reprendre. Ok? C'est ce qui est encourageant. Next. Quand il y a même pour chaîne de valeur, ça, qui option qui gagne vraiment pour financement? Ok? Nous parlons de route capital qu'on y a même qui a opéré à travers Kazeli. Nous parlons de Sidi, caisse populaire. Ça veut dire ça, nous, ouais, là, c'est le monde qui finance directement ou indirectement. OK, parce que il y a un pile monde dans chaîne là depuis ou ka jwenn on prêt nan yon nan mwen moun sa yo pour ka faire activité c'est que mon compte tout nan chaîne de valeur là et puis gagnon FDI mes amis qui font un gros travail. OK, FDI prêt pour lui travailler avec moun nan secteur là. Nous gagnon Sophie Desto chaque moun sa yo gagne des produits que y a essayé développer pour accompagner chaîne là et rapidement m'a mentionné que à travers un ministère, il y a un programme, un ministère, dans le ministère de l'Agriculture, il y a un département UPISA, ok? Ou après, il y a tout dans le ministère des Finances, un département, il y aurait les projets de recapitalisation des PME, et puis il y a pour agribusiness même. Ok? Ça veut dire qu'il y a un pile de bagaille qui a fait pour le secteur. Mais qu'on y a jamais là c'est adaptation hein, avec feuille de route ça nous parle tracé à comment les pays qui baillent plus cacao c'est Côte d'Ivoire tout de suite après on connaît c'est Ghana gain l'autre toujours route capitale Lyon pour route capitale fait pour pipiti Ghana c'est 10 millions de dollars on green client cap voyer cacao aller. OK, mais Haïti là puis go prendre des faits c'est auprès de 200 millions de dollars. OK, pour te permettre bah fond roulement pour acheter cacao pour exporter. Ça veut dire si nous suivons ça agronome Chesnel dit matin présentation car là matin nous déjà à côté nous voulons aller si nous ca mettre un système crampé vraiment pour nous faire tout le monde qui dans salle là bien bénéficier. Nous t'a remé peut-être dans 10 ans nous pas dans au moins nous ca 15 000 tonnes. Pour comprendre, ça qui arrive. Je suis arrivé dans 2-3 ans, comme moi, en pile jeune fille, en pile jeune garçon intéressé dans la chaîne. Ça. Parce que je dis que le plus gros problème que nous avons dans le secteur, c'est mon problème cobli. Quand on arrive en Haïti, on ne pas joindre les gens qui travaillent. Jeune garçon, jeune fille, on ne pas arrêter dans la province encore. Après, toute la Port-au-Prince, je ne sais pas si c'est Port-au-Prince vraiment. Tout Port-au-Prince, ils ont quitté la zone rurale, ils ont venu Port-au-Prince et puis ils ont cherché main-d'œuvre localement ou pas qu'à joindre.
OK, ça veut dire c'est si n'a pas un plan, faut que nous garder toute bagaille ça vraiment pour moi comment nous pas le faire jeune mounio prendre la relève et puis rester dans zone rurale pour faire comme maintenant poche pour les nègres vinn Port-au-Prince des cavi divin 11000 pour boire un bière avec mais depuis 3 heures la gueule prend machine l'aller la caille. C'est ça pour essayer garder parce que zone rurale yo besoin ça. Changement n'a cherché à OK, décentralisation effectif n'a cherché à li passer vraiment par création emploi dans zone rurale et puis business qu'a fait comme. OK? Voilà. OK. Ça nous vient remarquer vraiment après plusieurs années nous parce que nous avons capacitation tout nous développer un coup bien spécifique et pour ça nous relè jardin c'est business ou coup ça vraiment depuis ses plantoyer depuis son jeune garçon tant comme qui voulait l'acheter terre pour me planter son coup poursuivre. Parce que cours ça lui-même il bon tout détail comment pour camper business là aller comment pour faire toute bagaille ou faire BMC ou qui ça disponible sur terrain qui ça ressource qui ça opportunité pour avancer rentrer dans business là parce que en pile fois nous remarquer pour producteur nous yo pas prend bagaille là tant qu'on business yo pas prend lui tant qu'on business ça veut dire faut que nous commencer changer mentalité ça. OK, parce que Mexique n'a pas les à mexicain prend bagarre dans coup business. Moi mal dans coopérative Mexique. Ça moi monsieur a fait monsieur gain installation OK que en pile gros compagnie pas gagné en Haïti et c'est eux même qui fait toute bagarre yo. Vraiment vrai, yo gain gouvernement qui accompagne yo. Yo gagné leurs besoins matériels et par eux même qu'al payer matériel ça cache pour yo gagner li gain accompagnement qui là pour yo. Nous avons que nous, ensemble, nous définissons ce qui est important pour nous. Et causer crédit, ce n'est pas seulement pour planteurs les problèmes, seulement pour les gens qui sont dans le secteur, mais c'est un problème pour tous les gens qui font business en Haïti. Tous les gens qui font business en Haïti ont un problème. Ça veut dire, gens, moi-même, quand je décide de faire un business, je bloque pour tant encore pour mal chercher comme ça en Haïti, je fais un pile marché avant de me joindre. Et ça fait tout nous-mêmes avec Kazeli, nous gagnons 2-3 mouns à côtoyer pour commencer à garder Haïti sérieusement. Sérieusement, parce que nous disons qu'il y a un bon cacao à Haïti, Haïti a fait un effort café, Haïti a fait un effort dans l'autre chaîne de valeur, et c'est ouais, comment on peut accompagner le pays. Ça et tout côté, je passe son seul bagage, je me demande si nous pour accompagner nous vraiment nous besoin Haïti ça relé un fonds garanti parce que fonds garanti ça lui même il parle aider monde tant que monde qui dans salle là prend plus risque.